J'ai besoin que tu sabotes une fête ce soir. C'est Charles Renard. Il fourgue plus d'armes illégales au Moyen-Orient que personne d'autre en Europe. La plupart sont emballées et envoyées via ce musée. Nos renseignements indiquent que Renard organise une soirée aujourd'hui. On pense qu'il va s'en servir comme couverture pour rencontrer un acheteur de lance-roquettes, fusils, etc. Et les armes ? On nettoiera derrière toi. Essaie juste de limiter la casse. Vois si tu peux pénétrer dans le musée. Il doit y avoir un moyen d'entrer. Le musée va bientôt fermer. Jason, va dans la salle du banquet et identifie la cible. Le musée va bientôt fermer. Hein ? À l'aide ! Un homme à terre ! Il y a un corps par ici. Un des gardes de la sécurité a été assassiné. Par un professionnel, manifestement. Voyons de quoi il s'agit. Reste quelqu'un par ici. Que veux-tu dire ? Quelqu'un nettoie le musée. Les gardes sont éliminés avec un pistolet équipé d'un silencieux. Ce doit être les acheteurs. Ils se préparent à doubler Renard.
Quelqu'un me suit. Occupez-vous-en. Je me positionne à part. Charge! Interpol a un bulletin d'information concernant l'entrée d'armes dans Paris. Ils en savent peut-être plus que nous. Cette affaire est plus importante que nous l'imaginions. Envoyez un nettoyeur pour enlever les corps, avant que Renan ne tombe dessus.
J'ai identifié la cible. Il prend contact avec l'acheteur. Je répète, cible identifiée. Elle prend contact avec l'acheteur. Monsieur Renard, je représente un homme qui vient de loin et qui souhaite, disons, acheter des antiquités au... Pouvons-nous parler en privé ? Dans un instant. On m'a demandé de figurer la cérémonie dans quelques minutes. Sauf votre respect, monsieur, que je représente ne fait pas attendre. Je suis sûr que vous comprenez. Jason, suis Renard et son contact jusqu'au lieu de rendez-vous. Nous devons trouver à quoi vont servir ces armes. Se montrer prudent dans nos affaires. Pouvez-vous confirmer l'objet dont nous avons discuté ? Une bombe sale, avec suffisamment de matière fissible pour contaminer 12 pâtés de maison. Parfait. Très bien. La cible a identifié la livraison. Il s'agit d'une bombe sale. Une bombe sale de cette nature doit au moins remplir un porte-document. Les cachettes ne sont pas si nombreuses. Vous avez vu Jacques aujourd'hui ? Pas depuis hier. Il était censé faire son rapport avant le banquet. Même a-t-il eu un empêchement ? Qui est de permanence au bureau ? Aucune idée, mais il fume plus que toi. Ça n'a pas d'importance. Si ce n'est que ça te tuera. Qu'est-ce qui retient Jacques ? Il a fait une indigestion ? Et peut-être qu'il nous laissera les restes. On ne peut qu'espérer. Ne bougez plus ! Foutez le camp ! On a perdu un homme ! Les renseignements ont envoyé des infos. L'acheteur est Khalid Hazard.
C'est un Marocain lié à plusieurs cellules terroristes importantes. Tu dois les éliminer tous les deux, Jason. Et quoi que tu fasses, récupère la valise. C'est pas le montant sur lequel nous étions d'accord. C'est le montant que mon contact propose. Laissez-moi vous montrer la marchandise. Elle vaut bien plus. Je paierai votre prix. Excellent. Les codes sont ici. Jason, récupère la bombe et tue Atar. Cette bombe explose. Les internationales se retournent sur les bras. Descendez-le.
chien. Jason, Hazard tente de s'enfuir. Tu dois l'attraper maintenant.